toute ta tournée mondiale. Il a fait le tour du monde avec toi. Oui. Il a pu visiter, évidemment, les musées, vouloir les acheter. Voilà, vouloir acheter les musées. Il a visité des zoos, des aquariums, oui. Mais il est allé plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à l'âge où les enfants, par exemple, apprennent à l'école en cours d'histoire l'apartheid, oui. Lui, il a été sur les genoux de Nelson Mandela. Exactement. Il a visité la prison dans laquelle Nelson Mandela, oui, était enfermé pendant 27 ans. Si M. Mandela t'a rencontré l'autre jour, là, lui, là, il voulait libérer tous les Noirs. Pour essayer de l'arrêter, M. Mandela, de défendre les Noirs, ils l'ont mis dans cette prison-là, ici. Puis là, là, on va visiter la prison où il a vécu pendant 27 ans. Puis les gens avec qui on va visiter, là, c'est des gens qui étaient avec lui dans ce temps-là. Mrs. Dion, this is where Mr. Mandela was kept. OK, all locked up. Ça y fait encore mal, mais quand il dit ça. René Charles a appris énormément de cette pauvreté, de cette dureté de vie qui existe aujourd'hui. Et de voir mon fils donner un bout de pain à un enfant qui n'a rien, pour moi, ce n'est pas l'enfant pauvre qui a reçu. Pour moi, c'est mon garçon qui a tout, qui a reçu l'essentiel. Le geste que mon fils a fait, pour moi, ça a été ça, ça a été ça le cadeau. Il a aussi avec toi visité un camp de concentration en Allemagne. Oui. C'était un moment dur. Des moments durs et des moments extraordinaires aussi, parce que je me dis toujours qu'il faut voir notre passé et d'essayer de changer notre futur. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Et quand on est parent, on se dit, je ne vais pas amener mon enfant à pleurer constamment, mais je vais l'amener avec moi, parce que c'est un privilège, c'est une grande chance, de faire le tour du monde et de lui faire voir qu'on peut améliorer, qu'on peut prendre le passé en essayant de comprendre, accepter, évoluer, changer. Raison ou tort, le monde est mené par des fous. Mon amour, il n'en tient qu'à vous. Nous aimer plus fort, au-delà de la violence, au-delà. Encore, le mot existe encore.
sans doute la seule star de renommée internationale à avoir atteint une telle notoriété et avoir su préserver aussi sa vie familiale. C'est peut-être aussi ce qui fait que tes fans sont si attachés à toi, parce qu'ils sentent cette force intérieure. Et parfois, on a le sentiment, quand on regarde certains DVD, qu'il y a une relation presque christique avec les fans. C'est-à-dire qu'ils viendraient presque te voir comme le Messie. Est-ce que c'est difficile, cette relation-là? Je trouve vraiment que j'ai une carrière et une relation avec mes fans assez particulière. Et pour moi, elle est très touchante. J'utilise la chanson pour communiquer avec l'humanité. J'aime beaucoup le partage, les émotions entre le public et moi, ce qui se passe entre les chansons, entre les mots. Alors, j'ai l'impression que le fait que je sens que les gens ont accepté que je partage avec eux mes craintes, mes désirs, mes déceptions, a fait que j'ai eu une relation particulière avec eux. Je pense qu'ils m'aiment. J'espère que ce n'est pas prétentieux de dire ça. Je pense qu'ils m'aiment au-delà de mes chansons. Et ça me fait plaisir de penser ça. Céline, God bless you. We love you. The most expensive thing I'll ever have. Vada. Prendi l'autobus. Bonjour. Oh, please, dude. Come on. Come on. Don't do that. Come on, yeah. Can I kiss you? Of course, hello. Mwah. You hello, have a dream. How are you? My boyfriend. Come on, you are beautiful. You're so sweet, thank you. Through your voice, your music, I can feel my life, my love, my passion. Merci, mon amour. Oh, I'm Italian, from Sicily. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Toto Cotugno. Yeah! Si si fissa. Si on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve à s'il Tes fans vont être contents parce que tu viens de faire une séance photo très sexy. Ouais, disons que premièrement, au départ, je ne fais pas beaucoup de séances photo. Alors, je pense que les gens ont l'habitude de me voir pratiquement pas très souvent dénudée du dos, par exemple. Les gens ont l'habitude de me voir sur scène avec des robes courtes. Donc, les gens, ils ont eu l'habitude de les voir à maintes reprises. Et puis, c'est comme un vieux sujet, finalement. Ouais. Mais là, soudainement, pendant qu'on faisait des retouches de maquillage, et puis j'étais comme ça, et puis on se disait, est-ce qu'on met la boucle dans les cheveux? Est-ce qu'on met la boucle? Et pendant ce temps-là, le photographe a fait clic, 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 clic. Et on voit rien, mais c'est qu'on voit le dos. Ouais. Et puis, ça fait jaser les gens. De toute façon, j'ai accepté de faire la séance photo. C'était pas pour choquer du tout. Je l'ai fait au deuxième degré. Je l'ai fait par plaisir. On s'est amusé énormément à le faire. Ça fait 6 ans que j'en ai pas fait. Je signe la même photo pour les autographes pendant très, très, très longtemps. Puis c'est pas parce que j'aime pas ça. C'est que c'est très intense comme travail. C'est un peu fou parce qu'en 2 jours, on essaie vraiment de faire des photos pour les prochains 6 ans.
toute la journée, on respire de la poussière, des portes ouvertes, de l'air conditionné, des fans qui se projettent sur toi, c'est de l'air froid, j'ai plus de voix, là, tu sais, c'est comme... je suis fatiguée, des ampoules aux orteils, des souliers empruntés, des robes trop grandes. Tu as quand même réussi à retrouver une ligne incroyable, tout de suite? Presque tout de suite. Sans... J'ai de la chance, j'ai de nature. Sans rien de spécial? Ben non, sans rien de spécial. Tu fais beaucoup de sport? Aucun. Aucun? Aucun sport. C'est des journées très intenses. Les gens se demandent pourquoi qu'on tient notre ligne puis qu'on perd trois livres à faire des projets. Ben c'est pour ça. C'est qu'on essaie de se nourrir, on boit du café, ça n'a aucun sens. On mange du hummus, on se met une banane dans le corps parce qu'on se dit c'est du potassium. C'est bon pour moi. Mais en fin de journée, finalement, après, tu te dis, j'ai pas assez mangé. Mais tu es tellement fatigué, faut peut-être te coucher. You know how I feel? I just won the match. I got the gold belt! C'est un bout en train, c'est quelqu'un qui peut être tellement drôle. Elle peut entrer dans une émotion à un moment donné parce que, bon, justement, c'est ça qu'on cherche pour cette photo-là. Sinon, elle peut être complètement folle. C'est sûr que René, lui, veut toujours que j'ai mon sourire en coin, le côté accessible aussi, une douceur, ce que les gens connaissent de moi. Puis moi, c'est sûr, quand je fais une séance de photo, j'aime bien ça, là, sexy, différente, tac, 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 parce que c'est comme si je m'emprunte aussi... du temps que je prends pas à faire, tu sais, je vais pas dans les clubs danser, je bois pas vraiment d'alcool, je sors pas. Ouais. Donc, je me dis, quand c'est une séance de photo et j'entends de la musique, j'ai un petit peu folle pour un moment. Tu sais, robe courte, talons hauts, cheveux au vent, la musique. Oh my God, je l'aime la toune! La voix, son étoile, sur le libre boulevard, son nom en lettres d'or. Fait rêver le monde au son des guitares, au son des accords. Chanter ton petit Dieu, me donnant pour le temps avant le paradis. Et voir mon royaume briller au firmament jusqu'en Australie. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La gloire, la notoriété, on a le sentiment que c'est plus ce qui te fait courir aujourd'hui, que c'est plus ce qui te motive, évidemment. Ben, j'ai mieux. Ta famille, ben oui. Et il y a une chanson sur ce sujet, « Si je n'ai rien de toi ». Si je n'ai rien de toi, si je n'entends plus ta voix, je redeviens l'enfant abandonné, crevant.